Yeah. Rastafari. Yeah. Rastafari. Le Seigneur des Seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judas, le Shiloh, le Christ noir de l'âme. Yeah. Rastafari. Ne croyez pas à l'homme, Rasta. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et de tout d'abord en ce que les oracles de Jah leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Jah? Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché, Babylone. Selon qu'il a écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Jah. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent le chemin de la paix. La crainte de Jah n'est pas devant leurs yeux. Rasta, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Jah et que l'esprit de Jah habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Jah, Jah le détruira car le temple de Jah est saint et c'est ce que vous êtes. Rasta, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est là Siaï, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice vient coordonner s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Jah dans l'esprit. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit des sous, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Je vous exhorte, Rasta, par le nom de Jah, Selassie, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Jah, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Jah, je le dis à votre honte. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Jah? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Jah. Rastafari Selassie. Soyez saints, car je suis saint, moi l'éternel Jah, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'éternel Jah, votre Dieu. Ne vous tournez point vers les idoles et vous ne vous ferez point Dieu de fonte. Vous ne déroberez point. Vous n'userez ni les mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom.
car tu profaneras le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel Jah. Tu n'opprimeras point ton prochain. Et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'à l'endemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel Jah. Tu ne commettras point d'iniquité dans les jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel Jah. Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel Jah. Jah, Rastafari, Selassie. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point à rond les coins de votre chevelure. Tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair, point mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel Jah. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays se prostitue et ne remplisse de crimes. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les cherchez point de peur de vous suer avec eux. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel Jah. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigent du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des ephahs justes et des reins justes. Je suis Jah, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les divins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, l'Éternel Jah, votre Dieu. Parle aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel Jah sera puni de mort. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel Jah, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils mourront, ils périront, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel Jah. N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, ma bonté et ma miséricorde, dit l'Éternel Jah. On ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, on ne se rasera pas pour eux. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom, Jah, est invoqué sur moi, l'Éternel Jah, Dieu des armées.
que ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Jah. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel Jah. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion à toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel Jah. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi faisiez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel Jah. Cherchez l'Éternel Jah pendant qu'il est frais, et que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel Jah qui aura pitié de lui, à notre Jah qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel Jah. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi parle l'Éternel Jah. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tarde pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa mère pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dit pas, Jah me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel Jah aux eunuques qui
qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, Jah. Il ne périra pas, Rasta. Rasta. Et les étrangers qui s'attaillent à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel Jah, pour être ses serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Heureux l'homme qui place à l'éternel Jah, Rastafara, cela, c'est sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les routiers et les menteurs. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Soyez saint et pur, Rasta. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ne craignez donc point. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je les renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Rasta, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Jah est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Jah? C'est Jah qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a la droite de Jah et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim ou la nudité? Ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni la puissance, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jah manifesté en Selassie, en Jah, Rastafari en Selassie. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Jah sont fils de Jah. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Jah, Rastafari en Selassie.